Donc, un petit point, vous le savez, cette année a occupé une bonne partie de l'année les centres de référence. C'était la labellisation, la relabellisation de leurs centres. Donc là, je vous mets un petit peu tout le déroulé de la chronologie qui avait été proposée par la DGOS concernant l'organisation de cette campagne. Donc là, on arrive presque à la fin, puisqu'on est au mois de novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les centres ont rendu leur dossier à la DGOS le 13 octobre et qu'actuellement, en fait, on est dans la phase de relecture des dossiers par les membres du jury avant en fait un rendu des résultats courant mars 2023 pour que les financements puissent être débloqués pour les centres de référence dès le début d'année 2023. Alors, juste très rapidement, pourquoi on fait une campagne de relabellisation, de labellisation? C'est pour reconnaître l'expertise d'une équipe hospitalière qui est spécialisée dans la prise en charge d'une maladie rare. C'est pour, bien sûr, les financer. Il faut savoir que cette campagne, elle est inscrite dans un cadre juridique puisque c'est l'établissement de santé qui répond en son nom à un appel à projet du ministère de la Santé. Et en fait, tous les dossiers sont évalués sur des critères, les candidatures sont évaluées et que c'est un jury qui va en fait du coup statuer sur les résultats. C'est une vraie opportunité pour les centres de réviser le périmètre de leur maillage territorial d'experts et de proposer des ajustements sur des complémentarités d'expertise quand on doit organiser une transition enfant-adulte, renforcer un maillage géographique. C'est vraiment l'opportunité tous les 5 ans de faire ce travail de nettoyage. Alors, comme je le disais, ça se passe vraiment au niveau des institutions parce qu'il y a un cadre juridique assez fermé. C'est vraiment la DGOS qui travaille avec, là aussi, le ministère de la Recherche qui gère en fait toute cette partie de l'appel à projet. Et puis ce sont les CHU, en fait, les établissements de santé qui y répondent. Donc le dossier est assez exhaustif puisqu'il comporte des données d'activité qui sont des données propres à l'activité hospitalière des centres, à leur activité de recherche, à leur activité de recours, de prise en charge, d'expertise, de formation, d'enseignement, etc. Ils doivent fournir un plan d'action, les centres de référence, assez précis sur chacune de ces missions. Ils doivent demander l'avis des associations de patients pour avoir leur soutien éventuel. Et puis, l'avis de la filière également est demandé parce que c'est la filière en fait, qui présente aussi une candidature de centre de référence. Donc nous, en tant que filière, en fait, avec Christophe Verny, on a en fait accompagné les centres depuis, on va dire, un an et demi maintenant sur la préparation en fait, de leur dossier avec tout un tas de réunions préparatoires. On leur a fait une petite page web avec tout plein de ressources, des foires aux questions, des guides. On leur explique comment remplir leur dossier de la meilleure manière, etc. On les a aidés à remplir les dossiers. On a révisé tous les dossiers finaux. On a rédigé toutes nos lettres d'avis comme vous avez pu rédiger toutes vos lettres de soutien associatif. On s'est articulé avec toutes les plateformes d'expertise maladie rare de tout le territoire pour la soumission de ces dossiers, etc. Et Christophe, le mois prochain, va défendre en fait chacun des dossiers devant le jury d'experts pour les soutenir. Donc juste... Alors, la manière dont ça se passe, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de conflits d'intérêts ou trop de pression possible. Les membres du jury sont confidentiels. On ne sait pas qui siégera au jury. Je peux maintenant le dire, c'est moi qui étais un des deux médecins du jury la dernière fois. Là, on ne sait pas qui sera au jury. Moi, je vais rencontrer trois experts qui ne sont pas membres du jury, mais trois experts, un représentant qui sera un médecin maladie rare, je dirais l'un d'entre nous, mais qui ne sera pas en neurologie puisque c'est Brain Team. Je crois que la dernière fois, c'est des gens qui travaillaient dans le rein et l'os. Quelqu'un qui est un expert mandaté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est soit un professeur de médecine, mais très impliqué dans un laboratoire de recherche, soit un directeur de recherche INSERM-CNRS. Et la troisième personne est nommée par la conférence des directeurs généraux de CHU. Et c'est en général un directeur référent maladie rare au sein d'un CHU ou d'une ARS. Et donc moi, je vais plaider. Les dossiers, Sophie va vous montrer un peu plus en détail le périmètre, et c'est moi qui vais plaider, je vais être l'avocat finalement de tous mes collègues pour apporter les arguments et mettre le plus en valeur possible les dossiers devant les experts. Et c'est les experts qui, eux, ont reçu tous les dossiers, ont des grilles d'évaluation, ils sont en train de travailler actuellement. Je sais qu'ils viennent de ceux qui ont été désignés experts, viennent de recevoir ces grilles. Je ne sais pas à ce jour quels seront les experts désignés pour Brain Team. Je pense qu'ils vont me solliciter. Là, ils viennent de recevoir les dossiers, donc je pense qu'ils vont prendre le mois de novembre pour les étudier et qu'en décembre,
Il y aura ces échanges, un peu les plaidoiries, et puis les experts seront vus par le jury qui se tiendra au ministère pendant toute une semaine courant janvier, avec donc des résultats affichés début mars. Il faut comprendre que c'est un enjeu majeur pour les équipes qui ont l'impression d'avoir un peu leur tête sur le bio et d'avoir tout à perdre. Les équipes, les centres qui sont déjà labellisés partent dans une logique qu'ils ont tout à perdre et effectivement rien à gagner, puisqu'au mieux ils obtiennent la poursuite de ce qu'ils ont actuellement. Les nouvelles équipes, par contre, qui sollicitent, ben c'est là, ils ont un peu l'impression, pas de jouer au loto, mais de, parce que ce n'est pas uniquement de la chance, hein, c'est évidemment la qualité des dossiers et le mérite. Maintenant, je ne sais pas si tu avais prévu de le dire, c'est vrai que moi, je pars avec une grande interrogation par rapport à cette relabellisation qui tient au fait que nous avons probablement pas loin du double du nombre de dossiers par rapport à la fois précédente qui répondent aux critères stricts d'évaluation de la DGOS. C'est une évaluation que je fais au doigt mouillé, hein, mais c'est à peu près ce que je pressens et je connais quand même assez bien le sujet. C'est à peu près ça. Or, l'enveloppe est fermée. Le jury, pour y avoir participé, est laissé extrêmement libre. C'est un jury qui distribue 600 millions d'euros, 120 millions par an sur 5 ans. Donc les enjeux sont très importants. Et j'avais été très, très étonné la fois précédente de la liberté complète qui avait été donnée par la DGOS. Je pensais que sur des sommes comme ça, on serait drivé avec des instructions, des choses. Et de manière étonnante, c'était un vrai jury qui avait vraiment une possibilité de faire des choix. Et finalement, cette fois, la dernière fois, bah, ça tombait relativement bien parce que le nombre de jurys, de dossiers qui relevaient effectivement de tous les critères correspondait à peu près à une enveloppe qui était raisonnable et à ce qu'avaient avant les centres. Il n'y a pas eu de modification considérable. Le problème, c'est que si jamais, comme je le pressens, il y a non pas 400, mais 700 centres, par exemple, qui relèvent de ce critère-là, eh ben, que va faire le jury ? Soit il dit, moi je suis là pour répondre à un arrêté de labellisation avec des critères, je réponds si les critères sont là et pas là. Dans ce cas-là, ça veut dire que tous les centres en France voient leur financement divisé par deux, parce que l'enveloppe est fixe. Déjà, vous savez dans beaucoup d'hôpitaux à quel point c'est difficile d'obtenir sur le terrain l'argent donné par la MIG maladie rare. Pour vous donner une idée, la PHP en garde à peu près 50% pour elle et n'affecte au centre que de l'ordre, et les 50% affectés, c'est parce qu'il y a eu un combat de la part des centres. On partait de moins de ça. Vous imaginez la moitié de la moitié, il y a des équipes qui vont disparaître. Donc, il y a aussi une autre position qui est de dire oui, mais on est en train de négocier le quatrième plan maladie rare et ça peut être important de remonter aux décideurs, aux politiques, mais attendez, pour les maladies rares, il y a 400 centres en France qui sont labellisés alors qu'on en a 800 qui ont le niveau, qui seraient capables, qui ont fait leurs preuves. Il faut absolument, c'est une question de démocratie sanitaire, pour équiper les territoires, pour couvrir toutes les pathologies, c'est absolument important de reconnaître tous ces centres. Donc il y a quand même, je ne sais pas comment le jury se positionnera, je ne sais pas si cette fois-ci la DGOS aura une position plus contraignante ou dirigeante ou guidante plutôt, ce que je voulais dire, dans le choix du jury. Mais il y a une vraie interrogation. Il faut comprendre la fébrilité qui s'est emparée depuis effectivement au moins un an de tous les centres de référence et qui ont pour beaucoup, et notamment les responsables des équipes, que ça en tête parce que c'est quand même la vie de leur équipe qui dépend de ces résultats-là et la vie de leur équipe pour les 5 ans qui viennent. Vu l'importance des dossiers, qui est absolument impressionnant, je me demandais, vous parlez du nombre d'experts. C'est une foule de gens qui suivent ça, qui suivent tous ces dossiers. Et d'où viennent-ils ? Est-ce que ce sont les confrères des CHU ou d'autres personnalités ? Alors, il y a trois experts par filière, 23 filières, donc ça fait quand même 69 experts pour compter vite de tête. Moi, on m'a par exemple demandé au niveau de la filière Brain Team de suggérer deux noms de personnes qui seront experts comme médecins. Et je pense que, voilà, et je sais qu'au niveau de notre laboratoire de recherche, on a aussi sollicité. Non, c'est pas trop difficile de trouver dans le domaine des maladies rares 23 médecins
23 chercheurs et 23 directeurs impliqués dans les maladies rares au niveau de tous les CHU et ARS, ce n'est pas un problème majeur. Bon, il y a une chose quand même que je tiens à dire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont en relation avec l'Alliance maladies rares, mais je pense que c'est le cas. Il y aura, je pense, puisque ça s'était passé comme ça la dernière fois, un représentant du monde associatif. En l'occurrence, c'est l'Alliance qui est sollicitée pour désigner un de ses représentants. Je pense que c'est très important que vous lui fassiez remonter d'éventuelles remarques, souhaits, interventions dans le cadre de cette labellisation. Parce que ça ne s'était pas du tout passé comme ça la dernière fois et nous avions, nous, un petit peu regretté l'absence d'intervention du représentant associatif dans ces démarches, parce qu'il était là, je dirais, en personne, mais qu'il n'arrivait pas avec une remontée de terrain d'information. Donc n'hésitez pas. Je suppose, hein, je suis pas, c'est très confidentiel le jury, donc on ne sait pas qui y est, on ne sait pas, c'est le seul nom qui est publié, c'est le président du jury, qui est en général quelqu'un choisi totalement en dehors du champ des maladies rares pour qu'il n'ait aucun conflit d'intérêt. C'est en général quelqu'un à la veille de la retraite pour qu'il ne puisse pas avoir de crainte de se faire des ennemis. Donc, et c'est très protégé parce que les enjeux financiers sont quand même majeurs. Quand vous jugez 600 millions d'euros, vous imaginez que les conflits d'intérêts peuvent être importants. Juliette. Justement, par rapport à cette somme en question, par rapport à cette enveloppe, nous, cette année, on est très contents de voir effectivement que ce n'est pas seulement 7 centres de compétences, mais qu'il y en a 17 qui ont postulé. Donc on se dit chic, il va y avoir une meilleure prise en charge, la démocratie dont on parlait tout à l'heure, dans les régions. Mais évidemment, si tout ça s'est divisé toujours, si on a toujours la même somme au départ, ils n'auront rien. Il ne va rien se passer et vous serez amputés aussi. Quel est le moyen de revendication, de je sais pas quoi, la journée des maladies rares arrive aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé, ça vient de qui cette décision de 600 millions d'euros, puisqu'on veut étendre sur le territoire pour que les gens soient mieux pris en charge, qu'il y ait une condition pour ralentir la maladie à défaut d'avoir un traitement, donc c'est capital, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que peut-être l'enjeu principal là, c'est d'obtenir le PNMR4. Déjà, c'est quelque chose qui, je pense, serait important. C'est effectivement de remonter le plus de pression possible au niveau des hommes politiques, au niveau des représentants par rapport à cela. L'argument quand même de démocratie sanitaire, c'est un mot compte triple. Hein. C'est un mot qui fait peur. Actuellement, je ne vais pas détailler sur la situation politique par rapport au sanitaire, mais c'est quand même assez catastrophique aujourd'hui sur le terrain, et l'absence d'accès à des spécialistes, à des médecins sur le territoire est évidemment quelque chose qui a une certaine écoute. Donc c'est possible. Maintenant, on peut aussi faire des comparaisons. Vous savez tous combien il y a estimé de patients atteints de maladies rares en France, 3, 4 millions. Je pense qu'il faut surtout que vous ayez conscience que c'est le même nombre que le cancer. Voilà. Et que quand vous comparez les plans cancer et les plans maladies rares, ils peuvent nous donner quand même nettement plus. Et donc, il faut absolument que vous ayez des chiffres à apporter. Encore une fois, nous, auprès de la DGOS, auprès de la politique, nous, les médecins, on est les derniers à pouvoir vous défendre. Parce que nous, on nous dit qu'on est des consommateurs de santé, alors qu'on ne peut plus, alors qu'il y a 30 ans, enfin, mon expérience, c'est qu'on pouvait le faire. On pouvait monter des projets. Maintenant, on ne peut plus le faire. Il faut vraiment que ce soit les associations qui montent au créneau. Il faut défendre la notion qu'on défend des réseaux, on défend des choses qui optimisent les prises en charge, et qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut leur montrer. On nous a supprimé les réseaux de soins, souviens-toi. On nous a supprimé tous les systèmes de réseaux qu'on avait sous prétexte qu'il y a ces plans. Mais aujourd'hui, dans ces plans, on se retrouve pas avec ces réseaux tels qu'ils existaient avant. Et donc aujourd'hui, justement parce qu'on a des déserts médicaux, parce qu'on a tout ça, si on ne défend pas plus des plans comme celui qu'on propose, comme celui du cancer, évidemment,
ben on va aller dans l'échec. Et en plus, nos professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des paramédicaux, ils ont besoin d'appartenir à ces réseaux. Pourquoi ils quittent l'hôpital? Pourquoi ils quittent tout ça? Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans un système qui est un grand charivari. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est démontrer qu'il faut structurer les choses pour que les gens aient envie de travailler ensemble, surtout dans des maladies difficiles. C'est vraiment l'exemple du cancer hein, que j'allais, Odile me le retire de la bouche. Et n'oubliez pas, autant de maladies rares que de gens concernés par le cancer en France, on guérit plus de 50% des cancers. Aujourd'hui, on guérit moins de 20% des maladies rares. Donc, il y a quand même un enjeu de santé publique. Il y a aussi le fait que le cancer bénéficie de l'INCa. L'INCa, c'est une force de frappe considérable. L'INCa, c'est l'Institut national du cancer. C'est-à-dire que l'argent des plans cancer, qui est considérablement plus important que celui donné aux maladies rares, alors que l'enjeu de santé publique est du même ordre, passe par une espèce d'agence nationale qui pèse un poids absolument considérable face à des directions de CHU. D'accord ? N'oubliez pas que les directions de CHU ont une autonomie de gestion. C'est-à-dire qu'un directeur d'ARS, le ministre de la Santé lui-même, ne peut pas donner un ordre à un directeur d'hôpital d'utiliser une enveloppe pour faire une chose donnée. Ce n'est pas possible. Il a l'autonomie de gestion totale de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a une grande enveloppe, il en fait ce qu'il veut à l'intérieur. Et donc, effectivement, déjà, l'enveloppe est faible pour les maladies rares. Et en plus, on sait très bien que dans les hôpitaux, il y a une grande partie qui n'arrive pas réellement sur le terrain. Et donc, l'INCa pour le cancer, ce n'est pas la même chose. Parce qu'à l'INCa, il y a un directeur de l'INCa, qui est un professeur de médecine, que je connais assez bien. Je peux vous assurer que quand lui, il s'assied en face d'un directeur de CHU et qu'il veut voir si l'argent qu'il donne arrive bien à destination, ce n'est pas compliqué. C'est lui qui a le chéquier pour l'année d'après pour envoyer la subvention. Il n'est pas du tout dans la même situation que nous, des maladies rares, où on est à genoux, les mains jointes devant les directeurs pour supplier que l'argent arrive. Lui, il est en position de force pour discuter. Et ça, c'est vrai que c'est un outil que nous n'avons pas. Oui, absolument. Absolument. Exactement. Attendez, il y a monsieur qui voulait prendre la parole. Et puis oui, si j'ai bien suivi l'actualité, le budget de la Sécurité sociale pour 2023 a été plus ou moins adopté. Est-ce que pour le moment, c'est un budget global? Est-ce qu'il y a déjà des clés de répartition dans lesquelles on trouve un certain nombre de budgets tels que le budget pour les maladies rares? Ou pour 2023, c'est déjà râpé ou on peut quand même continuer à essayer d'intervenir auprès d'hommes politiques, députés, etc., pour influer l'enveloppe globale où c'est déjà fait, voire dans 2024 maintenant. Alors, je pense que les décisions. Il y a un budget rectificatif aussi, oui, possible. Oui, c'est ça. Il y a le budget rectificatif et actuellement, on est vraiment dans la décision et la pression pour avoir le plan PNMR 4. Donc, ça vaut le coup, si on a 2-3 entrées auprès de l'Assemblée nationale, d'essayer de sensibiliser, si possible, les hommes politiques. Et on a notamment, on avait nous été en contact, on avait rencontré, Bénédicte et moi, M. Berta, qui est un député du sud de la France, qui est le président du groupe d'études sur les maladies rares à l'Assemblée nationale, qui était très aidant. Il y avait eu, n'oubliez pas, et on avait eu le soutien des associations, ça avait remarquablement bien marché. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était juste avant le Covid. C'était à RARE 2019 que, suite à son intervention, on avait mobilisé en fait toute la communauté maladies rares, tous les centres de référence, en leur redemandant en fait quelle était la part de leur financement qu'ils obtenaient réellement, et pour dénoncer en fait le non-octroi par certains établissements de santé de la part qui devait revenir aux centres maladies rares. Et donc on avait été rencontrés, Monsieur Berta, qui nous avait dit qu'il allait déposer un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour demander au ministère de la Santé de lui rendre aux parlementaires un rapport sur l'utilisation des fonds maladies rares, avec très clairement l'idée derrière que les directions d'hôpital n'affectaient pas une grande partie de la MIG maladies rares à cette activité-là. Et cet amendement qui mettait bien sûr en difficulté le gouvernement, on n'était pas dans l'Assemblée actuelle, hein, on était dans l'Assemblée d'avant, précédente, avec une majorité écrasante pour le gouvernement. Et donc le ministre était opposé
à cet appel à projet et à ça. Et donc, vous les refusez l'amendement. Et nous avions sollicité, ça c'est moi qui en avais pris l'initiative, j'avais contacté tous mes collègues animateurs des 23 filières de santé maladies rares en disant sollicitez tous vos réseaux de patients, toutes les associations, pour qu'elles envoient un mail. C'est très facile aujourd'hui de trouver le mail de son sénateur ou de son député. Et envoyer un mail pour, on avait préparé un mail type à proposer, pour dire que les maladies rares sont un véritable problème et qu'actuellement, il faut absolument soutenir cet amendement. Et ça avait fait un bruit énorme à l'Assemblée nationale. Tous les députés se sont rendus compte qu'en 48 heures, ils avaient été contactés pour la même chose. L'amendement est passé contre l'avis du gouvernement. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid qui est arrivé juste après. Et finalement, ce rapport qui devait être rendu, qui était là, vous imaginez qu'on n'allait pas mettre... il aurait dû être fait en mars, avril, mai 2020. Vous imaginez que ce n'était pas le moment, vu la situation, d'aller mettre la pression sur le ministère de la Santé pour que ce soit mis en œuvre. Donc, je crois qu'il y a eu un rapport que personne n'a lu. Enfin, voilà, ça n'a pas eu du tout les répercussions qu'on pensait, mais on ne pouvait pas anticiper la crise sanitaire qui... Voilà, c'est vraiment tombé au mauvais moment. Mais c'est pour dire que ce type de manifestation par rapport aux parlementaires... est extrêmement efficace. Et je rejoins tout à fait ce que dit Odile. Paradoxalement, les derniers qui sont écoutés, ce sont les médecins. Nous n'avons absolument aucune écoute. Nous avons des hommes politiques qui, aujourd'hui, n'auront plus aucune culture scientifique et médicale. C'est d'ailleurs Suberta qui est un scientifique, lui. C'est un professeur. C'est un professeur de génétique, mais pas humaine. Mais c'est un professeur de génétique qui nous dit, quand on le rencontre, mais vous n'imaginez pas le niveau d'acculture de mes collègues députés quand on parle médecine. Et alors, c'est encore pire si on parle science. Il dit, mais ils sont en train de débattre. Ils nous parlaient notamment de loi de bioéthique et de choses comme ça, en nous disant, mais ils manient et ils votent des concepts dont on leur demanderait la définition des mots qu'ils utilisent. Ils ne les comprennent pas. C'est absolument... dans l'actualité, il y a eu quelques jours là en commission, il y a eu un amendement qui a été voté pour la télémédecine, pour une chose comme ça, qui était complètement aberrant, tout simplement parce que les membres de la commission n'ont pas compris de quoi il se passait et de quoi il s'agissait. Et parce qu'ils ne comprenaient pas les termes, la différence entre téléconsultation, télémédecine, etc. Ils ne connaissaient pas les différences. Donc, et c'est cette situation auquel on est confronté. Donc, mais on voit vraiment que le soutien, la mobilisation des associations est un élément extrêmement, extrêmement fort. On va devoir avancer un petit peu dans le programme pour respecter, parce qu'après, il y a une autre intervention qui nous suit. Donc, juste, je vous remets un petit rappel des résultats de la dernière campagne. Vous le savez, dans Brain Team, il y a eu 10 centres de référence qui ont été labellisés, avec 20 sites constitutifs, c'est-à-dire des équipes hospitalières qui gravitent autour de chacun des coordonnateurs et qui proposent des complémentarités d'expertise clinique. Et ce qui était assez remarquable dans Brain Team, c'est qu'on avait quand même 4 réseaux de centres coordonnateurs qui n'avaient pas de sites constitutifs. Ce sont ces sites hospitaliers complémentaires qui sont, eux, financés, au contraire des centres de compétences. Et on en avait donc 4 pour une grosse filière comme nous. C'est beaucoup d'avoir 4 réseaux qui n'avaient pas de centre constitutif et puis 3 qui n'en avaient qu'un ou 2. Ce qui voulait dire qu'il y avait potentiellement des ouvertures pour cette nouvelle campagne. Alors, si je fais rapidement un bilan de ce qui s'est passé là au 13 octobre 2022, donc on a eu un nouveau réseau candidat qui s'est positionné concernant une nouvelle prise en charge pour un nouveau groupe de pathologies qui n'existait pas dans Brain Team, qui sont les hypos, les hypertensions intracrâniennes chroniques, ce qui porte aujourd'hui à 11 le nombre de réseaux de centres de référence coordonnateurs. Et on passe de 171 centres aujourd'hui Brain Team, donc tout type de centres confondus, hein, les compétences aussi, à 213 centres. On a une inflation de 23% du terme de nombre de centres que l'on propose. Alors, comme disait Christophe, en fait, cette inflation des candidatures, même de centres constitutifs, est pressentie au niveau de la DGOS et même au niveau de la PHP, qui annonce déjà plus 30%. Ce qui veut dire que ce sera ça le nerf de la guerre, parce que ce sont ces centres constitutifs qui sont financés en plus des centres coordonnateurs. Et vous voyez bien que, comme disait Christophe, l'appel d'offres du coup devient compétitif. Il ne l'était pas, mais il le devient forcément, sauf si après la part du gâteau est divisée en deux. Ça, on ne le sait pas. On n'a aucun signal de la DGOS pour pouvoir se dire que la part du gâteau ne sera pas divisée par deux ou
qu'il va y avoir de l'argent qui va tomber du ciel pour satisfaire tout le monde. Ça, on ne le sait pas. Mais en tous les cas, toutes les candidatures ne seront sûrement pas contentées parmi ce que les centres coordonnateurs ont pu proposer. Donc là, voilà. Bon, ça, je passe rapidement. Juste pour corroborer ce que disait Christophe tout à l'heure, nous, dans Brain Team, on a une augmentation significative du nombre de centres constitutifs parce qu'on passe de 20 à 39 candidatures. On fait un x2. C'est énorme. C'est énorme pour notre filière, ce qui voudrait dire que Christophe, il va vraiment devoir remonter ses bras, parce que voilà, si vous le reconnaissez, il est à droite, c'est celui qui n'a pas de cheveux. Et en fait, il va vraiment devoir se battre avec Anne-Sophie là. Je trouvais ça, j'ai bien aimé cette image, désolée Christophe. Je vois que tu l'as préparée celle-là. Et voilà, c'est pour mettre un peu de légèreté dans cette présentation. Et voilà, donc vraiment Christophe, il va devoir sortir son meilleur verbe et voilà, pour pouvoir défendre toutes ses candidatures, mais honnêtement, il ne pourra pas défendre tout le monde. Il y a 5 ans, on était la seule filière qui avait eu 100% de réussite à l'appel à projet, la seule. Je peux déjà annoncer que nous aurons un résultat inférieur cette fois-ci. Et je tiens quand même à dire que ça, nous n'avons accepté de remonter que les dossiers qui répondent aux critères. C'est-à-dire que quand j'ai eu des dossiers, on a été sollicité avec des dossiers qui étaient trop légers, j'ai pris la position qu'un certain nombre de mes collègues ne veulent pas prendre ou n'osent pas prendre. J'ai refusé, on a refusé des dossiers en disant aux gens, continuez à travailler, développez-vous et revenez dans 5 ans. Donc c'est des dossiers qui sont tous défendables. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'on est parti de très bas. C'est-à-dire que nos centres constitutifs, nous, on n'a pas bénéficié dans la première validation des centres de référence, comme les malformations, la déficience intellectuelle rare, etc. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des tas de centres constitutifs. Et nous, en fait, on était dépendants d'une ou deux centres qui essayaient d'animer au niveau national. On a tellement bien animé qu'aujourd'hui, on a fait des émules. Et que c'est, du coup, c'est très difficile de justifier tout ça. Mais en fait, on continue à donner à ceux qui avaient déjà. On ne va pas s'en sortir. Hein. Donc, voilà, on ne peut rien prédire, mais voilà, tout ça pour vous dire que cette augmentation, ce x2 que nous, on propose dans Brain Team, ça veut dire que si vous regardez, en fait, là j'ai remis les 10 centres de référence de Brain Team, les barres bleues, ça correspond au nombre de sites constitutifs qui préexistaient, et les barres oranges, en fait, c'est le nombre de centres constitutifs qui sont proposés pour cette relabellisation. Donc aujourd'hui, quand vous regardez à droite, c'était les 4 centres qui n'avaient pas de site constitutif, ils en ont tous proposé des nouveaux, de manière assez, on va dire, raisonnable, puisqu'ils en ont proposé un, voire deux. Il y en a un qui en a proposé 4. Et après, il y a d'autres centres qui en avaient déjà et qui en redemandent en plus. Aujourd'hui, on a en fait 16 centres de compétences qui proposent aussi une candidature en tant que site constitutif. En gros, ils demandent des financements pour fonctionner. Donc ça, c'est aussi beaucoup. Et au final, ça fait un total pour... Dans tous ces chiffres, de 44 nouvelles équipes qui vont rejoindre le réseau Brain Team s'ils sont validés dans cette relabellisation. Donc, on est une filière qui a proposé beaucoup de candidatures et comme disait Christophe, on ne sera certainement pas contenté, mais il fallait tenter le jeu. Donc juste, voilà, on va terminer là-dessus. On ne sait pas ce qui va devenir. Christophe va défendre comme il pourra au mois de décembre face au trio d'experts les candidatures. En tout cas, on voulait vous remercier pour votre mobilisation, pour toutes les de soutien que vous avez donné à tous les dossiers de candidature que l'on a revus et on vous tiendra au courant bien sûr des résultats. Ce sera début mars, on pense. Dès qu'on a quelque chose, on vous le dit. On n'a pas de date précise. Il y a marqué mars, mais on ne sait pas. De toute manière, c'est publié au JO. Hein. On l'apprend par la publication au JO. La deadline, c'est qu'ils veulent que ce soit délégué. Alors, c'est du jargon hospitalier en C1. C1, c'est la première circulaire budgétaire. C'est le premier chèque de l'année que reçoivent les hôpitaux. Du ministère pour les missions d'intérêt général, puisque les maladies rares, ça rentre dans ce cadre, vous entendez parler de MIG, c'est les missions d'intérêt général. Et cette circulaire, elle est déléguée fin avril. Donc pour que de l'argent qui part du ministère arrive fin avril dans les hôpitaux, il faut que les arrêtés soient signés avant le 15 mars. Donc on vous donnera les résultats comme ça, et puis évidemment, le 28 mars, on en reparlera tous ensemble à la journée annuelle.